Bon, du coup, on va partir directement au boulot. Je me suis permis de partir un peu plus tard. J'ai fait un petit peu. J'en ai profité pour faire le ménage un peu chez moi. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le ménage. Du coup, je vais aller ramener le plateau à notre très cher ami. Comme ça sera fait. De toute façon, normalement, il devait le vider ce matin. Mais s'il l'a pas fait, au pire, on prendra 5 minutes ou 10 minutes pour le faire. Toute façon, c'est pas très difficile de vider des bottes sur d'un plateau. Alors, ah, je me loupe tout le temps l'entrée. Elle est là, ouais. Je vais me garer là, écoute. Tac, hop là. On ferme. On va voir. Il est pas. Est-ce qu'il est chez lui? Non, il est pas chez lui. En tout cas, il est là, le 4x4 est là, du coup il est forcément ici, il est pas au bar en train de traîner. Ah bah non, t'es. Bah alors, ça va? Il devrait être par là, du coup. S'il est pas chez lui, de toute façon le 4x4 est encore là, il a pas été à la buvette encore, comme tous les jours. Eh ben voilà. Bah ce que je vois, t'as terminé à ranger les bottes? Ouais. Ouais. Bon, ça va, c'était pas trop dur? Non, ça va. Ça va. Bon bah écoute, moi je vais d'abord poser la masse, et après j'irai lui rendre son plateau. OK. Donc voilà. Tac. Voilà. Ah, tu l'avais laissé allumer? Voilà. Ok. Bon, du coup, j'y vais. Je vais poser la masse où, moi? Je vais la détacher ici. Tac, on la baisse. Tac, on descend. Du coup. Tac, tac. Voilà. Bon, c'est bon, je vais pouvoir y aller. Je passe par où? Bon, je vais passer par là. J'espère qu'il a rangé les sangles dans le boîtier. On allume les gyros. Hop là. Et on y va. Bon. Ouais, c'est bon. J'espère qu'il sera là pour lui rendre. Parce que voilà. On ira donner de l'eau aux vaches après. Avec le petit Newland. Et après, on ira faire du lisier. Et commencer à les prévenir quelques fermiers. Quelques fermiers pour la manifestation. Je pense le faire la semaine prochaine. Je vais lui poser. Ouais, ça, je vais lui poser. Oh, c'est le grand bazar ici.
Il a tout sorti. Tac, voilà. Wow. Tac, on va la détacher. Tac. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de béquille, c'est à ressort. On met les fils sur le plateau et on détache. Voilà. Bah, je vais avancer. Mince. J'avais oublié de baisser. Je vais me garer là. Tac. Bon alors, tu te prépares? Ouais. Ouais, la semaine prochaine, du coup, normalement, ça sera bon. Du coup, bah ouais, bah du coup, je vais aller avec Baptiste. On va aller cet après, enfin, ce soir-là, on va aller du coup prévenir d'autres agriculteurs. Si tu veux, tu peux le faire toi aussi, faire tout de l'autre côté de la région vers là-bas. Nous, on va de ce côté-là, en face. Oh, bah, je sais pas si j'aurai le temps, vu que t'as vu mon ancien, j'allais là-bas devant le garage. Hein. Tu as beaucoup C'est de John choses à Deere. faire? C'est John Deere, elle démarre 10 secondes, on avance quelques mètres et elle se réteint. Ah ouais, d'accord. Hein. Ouais, c'est comme après mon Fendt, il a lâché, mais en même temps, ça faisait déjà 10 ans que j'avais, hein, donc il a lâché. Ouais. Du coup, j'ai demandé un nouveau tracteur. J'ai Sérieux? demandé un Néoland pour changer un peu. Ah Et j'ai ouais. commandé deux faucheuses avec. Ah oui, ça va. Donc, si tu voudras, si tu auras besoin d'aide une fois pour faucher, tu me diras. Oh, t'inquiète pas. De toute façon, nous, ce qu'on a en parcelle de champ, c'est des mini, hein. Avec notre faucheuse, ça met un certain petit moment, mais on prend un 5-10 minutes pour faire un champ, alors. Je sais pas, on verra. Bon, ben moi j'ai quelques bons chances si tu manques Ouais, t'inquiète, je te de préviendrai. herbe. Bon, bah écoute, je te tiens au courant pour la semaine prochaine. Ouais, bah je vais voir T'façon, on se dans verra quelques bien avant, à mon avis. Je viendrai te chercher, t'façon, chez toi. Et après, on partira. Ouais, par contre, je peux emmener du fumier, mais par contre, j'ai rien pour emmener du lisier. C'est pas grave, tu choisis ce que t'as envie. Si t'as envie d'emmener du fumier ou du lisier, c'est comme tu veux. Franchement, moi, j'emmène. Et Du je peux lisier, que moi. l'emmener dans une benne, par contre. Oui, bah, c'est mieux, hein. Comme ça, tu pourras bloquer la route, hein, avec le fumier. Ouais, et on pourra en mettre devant les portes et tout. Ouais, surtout sur les grandes routes, enfin, les grands axes principaux de la ville. Ouais, par exemple sur une autoroute, là, sortie d'autoroute, on bloque, on fait Ouais. cramer. Ouais, à l'entrée de Ça la crame ville, là. longtemps. Il faut y Ça aller crame de. longtemps, tu me dis. De toute façon, ouais. Mais il faut y aller assez tôt. Après, de toute Moi, je vais quand même façon, un peu d'eau. tout le monde va être au courant. Alors, bon, on verra bien. Ouais. Bon, bah écoute, je vais te laisser, hein. Moi, j'ai du boulot, hein. Je vais aller préparer ma tonalisier pour aller Ouais. passer un petit coup sur mes champs, moi. Ouais. Allez, à plus. À plus. Ah là là. Bon, au moins lui, il est prêt. Ouais, les problèmes avec sa moissonneuse en même temps, c'est une JD quoi. Fallait s'en douter quoi quand il a acheté. Parce que JD, voilà quoi. Voilà. Baptiste qui m'incitait à acheter un. Bah, je préférais prendre un petit Newland qu'un petit John Deere qui allait marcher tous les 4 matins, quoi. C'est sûr que. Ah, il est derrière.
Bon, du coup. Normalement, il m'a préparé la tonne à eau. Enfin, un lisier. Ah ouais, elle est là. Il a fait le plein, je crois, à l'intérieur. Il a pas monté beaucoup en hauteur la béquille. Tac, alors, fais-moi voir ça. Le cardan, clac. On l'attache, les petits fils. Et la béquille, voilà. Bon, là par contre. Là, ça va tirer. Ah oui. Ça tire, ça tire. Bon, du coup, je vais aller faire ça. Purée, il galère à freiner maintenant. Avec ça. Bon, ça fait un bel ensemble, hein, mais je pense qu'il est beaucoup trop gros. Oh, allez, les voitures sont dangereuses. Les stops, tu parles que ça s'en fout. Oh là, attends, on va se garer un petit peu parce que là, rouler à fond avec un JCB, c'est. Voilà. C'est assez risqué. Donc, nous, on doit aller ici. J'ai pas mis les pneus fins. C'est pas grave. De toute façon, hein. Alors, on va reculer. Voilà. On abaisse. Et on l'active. Est-ce que. Ah, j'ai peut-être pas. Est-ce qu'elle se vide? Ouais, là, c'est bon. C'est bon. Elle a du mal à se vider, j'ai l'impression. Il doit y avoir quelque chose qui est dans les tuyaux. Il faudra que je voie avant de partir là-bas. Parce que sinon, on va être mal. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ouais. Bon, je verrai ça quand on sera là. Quand on sera rentré ou. Ouais, de toute façon, il faut que je détache l'arrière pour avant qu'on parte. Voilà. Parce que sinon. Je vais pas pouvoir. On va pas faire grand chose là, sinon. Le fumier, je pense pas qu'on ait besoin de l'utiliser pour le moment. De toute façon, hein. Ah ouais, je suis à la moitié. J'ai même pas fait un tour du champ que je suis à la moitié, ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon. De toute façon, c'est pas bien grave. Voilà. Après, il faudra que je reparle à Baptiste de
Justement, qu'on va s'en aller la semaine prochaine, enfin que moi je vais m'en aller la semaine prochaine, et qu'on aille demander à d'autres fermiers pour la semaine prochaine. De toute façon, hein, à mon avis, il a pas grand-chose à faire ce soir, à moins qu'il ait un rendez-vous galant. Je ne sais point. De toute façon, je verrai quand je rentrerai. Puis voilà. Donc voilà, on va le faire le champ et puis après on rentrera. Non, j'irai faire vite fait le deuxième champ et après on rentrera tranquille à la ferme pour donner de l'eau aux vaches. Donc voilà. Bon, du coup, on a terminé le champ. On va rentrer donner à boire aux vaches. Je ferai les pondeurs sûrement demain. Du coup, normalement, je lui en ai parlé un petit peu au téléphone. Il doit être en train de se préparer là en ce moment. Ouais, normalement, il se prépare et après, on y va. Bon, je vais y aller comme ça. Écoute, hein, c'est le métier, hein. On va freiner parce qu'avec la tonne, j'ai pas envie de finir dans le champ. Du coup, il me reste un tout petit fond. De toute façon, des fois, on laisse des petits fonds pour pas que ça reste sans utilisation. Voilà. De toute façon, on est arrivé. Je vais la laisser où, moi? Je vais la laisser. Bon, je vais laisser le tracteur directement avec, hein. Je vais le mettre ici, le tracteur. Tac. On éteint les gyros. Voilà, c'est bon. Oula, oula. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va? Là, Ouais. je vais lui montrer la bête. Ah ouais. Un T8. Elle a vu cet après-midi. Ouais. Ah, on t'a toujours la même masse. Non, C'est bah. juste la couleur. Ouais, c'est juste la Bon, couleur. par contre, désolé, mais je suis très pressé. Il faut que j'aille donner à boire aux vaches. Et après, on doit Ouais. partir pour, du coup. Oh, je suis pas grave. D'ailleurs, du coup, ben, je te laisse. Ouais, Allez, à bah plus. à plus. À plus. Oh, j'avais dit que j'allais le faire. Qu'il aille se préparer. Ouais. Ouais. T'inquiète, va te préparer, va te préparer. Je vais le faire, t'inquiète pas. T'inquiète, j'ai déjà trouvé voir, c'est bon. Du coup. Tac, on attache ça, les fils. On enlève la béquille, voilà. Est-ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur? Normalement, il doit rester un petit fond. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense pas qu'elle demande beaucoup. Ouais, il m'attend. De toute façon, je vais me dépêcher. Qu'on traîne pas trop, parce que là, il est 17h30. Alors. Attaque. Voilà, on va fermer. Je pense qu'elles ont assez. On va repasser par là. On va juste ranger le tracteur avec la tonne à eau. Je vais juste le mettre en marche avant le tracteur. Comme ça, on s'embêtera pas. Et on va y aller directement parce que sinon je vais être en retard. Alors, à mon avis, on rentrera vers allez, 22h facile. Vu que on a du chemin à faire. Sachant qu'il va falloir que je le fasse en tracteur, moi. Bon, c'est bon, on éteint. Tac. Je vais tout fermer. Mince, c'est par ici.
Voilà. Et alors. J'ai allumé le mauvais bouton. Voilà. Voilà. C'est bon. Ouais, bon, c'est bon, t'es prêt? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, allez, on est parti, on va faire de la route.